Dans cette leçon, bien cette vidéo, on va s'intéresser aux articles. Surtout, ces trois sortes d'articles. Indéfini, des seulement, parce qu'il y a un, une. Mais c'est facile à utiliser. Les articles partitifs du, de la, et les articles définis, contractés du, de la, des, au, à la. Pourquoi ces articles? Parce que nous avons un problème. Nous avons des articles qui se ressemblent ici. Alors, quand est-ce que je vais utiliser des indéfinis et des définis contractés? Comment je vais les distinguer? Comment je vais les utiliser? Avec quel nom? Pourquoi ils se ressemblent? Pourquoi le mot se ressemble, mais dans la classe différente? C'est ça le problème de ces articles. La même chose ici, du, de là, partitif, et du, de là, contracté. Alors, on va commencer. On va commencer facilement d'abord. Comment on utilise, ou bien quand on utilise du et de là. Qu'elle soit partitif ou contracté, maintenant d'abord, comment, ou bien quand je vais, quand je vais l'utiliser. Quand je vais utiliser du. Alors, du, on l'utilise devant un nom commençant par une consonne. Du tableau. Nous avons ici la consonne. Du garage. Du stylo. D'accord? Le nom commençant par la consonne. Il n'y a pas de voyelle. Je ne les utilise pas, bien j'utilise pas du devant un nom commençant par une voyelle. Non. De là, avec les noms féminins commençant par la consonne. Les noms féminins commençant par la consonne. De la gomme. De la fille. De la brosse, de la voiture. Alors ici, du, devant le nom masculin commençant par une consonne, de là, devant le nom féminin commençant par la consonne. Alors, pour eux, c'est un peu difficile pour certaines personnes, je peux dire par exemple un stylo. C'est un nom masculin commençant par une consonne, alors je vais dire du. Ici, une gomme. J'efface de là. C'est bien. Maintenant, si j'ai un nom masculin qui commence par la voyelle, arbre. Ami, élève, je ne peux pas dire du. Pourquoi? Parce que nous avons deux voyelles. On ne peut pas regrouper deux voyelles. Comme on ne peut pas faire ici l'illusion, c'est-à-dire on va effacer seulement des. Non. Alors, on va effacer U, pardon. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Qu'est-ce qu'on utilise? De là. De l'arbre, de l'ami, de l'élève. C'est un nom masculin commençant par une voyelle. Un ami. Un quoi? Un ami. Mais le problème ici, nous avons la voyelle, alors on ne peut pas dire du, on dit de là. Comme pour le nom qui commence par H muillé. De l'homme. De quoi? De l'homme. De l'homme.
homme, acheminé de l'homme. On ne peut pas dire du homme. Alors, si le nom, comme je viens de dire, commence par la, le nom masculin, commence par la, la consonne, on utilise du. Si le nom masculin commence par la voyelle, on utilise de l'apostrophe. Maintenant, un nom féminin qui commence par la voyelle, école. Quoi? École. Assiette. On ne peut pas dire de la assiette. Parce que nous avons deux voyelles, alors la même chose, on va faire ce qu'on appelle l'élision. L'élision, on élide la première voyelle, c'est-à-dire on efface la première voyelle, on met l'apostrophe. D'accord? Ça, en général, si le nom, je peux dire, si le nom commence par la voyelle, qu'il soit masculin ou féminin, on utilise de et l'apostrophe. Alors voilà, voilà pour l'utilisation de du, de la. Et la même chose pour le, pour l'autre contracté à la et au. C'est la même règle. C'est la même règle pour du, corgu et c'est quoi déjà de la. C'est la même façon. Les mêmes mots, la même règle. Devant un nom comme masculin, commençons par la consonne. Au voisin, du voisin. À la famille, de la famille. À la famille, de la famille. Et s'il y a la voyelle, comme tout à l'heure, on a dit, à. À l'école, à l'ami, d'accord? Est-ce que c'est clair? Ça? Alors, il faut garder dans la tête un nom. Qu'est-ce qu'on va garder dans la tête? Cette règle. Nom masculin. Nom masculin, commençons par la voyelle, la consonne, pardon. D'abord la consonne. On utilise du ou bien au. Exemple, du vélo. Au village. Deuxième cas, nom féminin commençant par la voyelle. On utilise de la ou bien à la. On va dire par exemple, est-ce que c'est qu'il y a sur l'écran? Il faut un peu d'espace. À la maison. De la voiture. Alors, voilà l'utilisation de du, l'utilisation de la. Maintenant, je passe l'utilisation de les autres. Nom masculin ou féminin.
Commençons par une voyelle ou par un H muet. On utilise de et l'apostrophe ou bien a et l'apostrophe. Exemple. À l'homme, comme je viens de dire, à l'arbre, de l'homme, de l'arbre. Mon pronom féminin, de l'école. À l'association, c'est ça la règle qui résume cette leçon. Quand est-ce que j'utilise du, quand est-ce que j'utilise de la, quand est-ce que j'utilise de et l'apostrophe, a et l'apostrophe, o et a et l'apostrophe. Alors voilà. Cette leçon, seulement ici, l'utilisation de ces articles. Maintenant, on va passer à la distinction. Quelle est la différence entre partitif, défini, contracté, c'est de suite.